Il a été question là, à l'instant de consommation et de production, et notamment le fait que la production baissait plus vite que la consommation. Caroline Moniaud vous a brièvement parlé ce matin des imports pays tiers. Et donc c'est la question que moi je vais aborder maintenant, mais sous le prisme des accords de libre-échange, à savoir, il a été question du Mercosur, à quelle sauce finalement la filière bovine va être mangée dans ces accords de libre-échange. Donnez-moi 30 secondes de temps de changer de micro. Mais effectivement, Caroline, ce matin, vous parlez d'évolution d'importation européenne d'un point de vue conjoncturel en lien avec le manque de marchandises sur le marché européen, avec de la décapitalisation en France. J'y reviens pas, on en a parlé beaucoup ce matin, mais de décapitalisation soit sur le cheptel laitier, soit sur le cheptel allaitant, si on fait exception de l'Irlande et de l'Espagne côté européen. Et du coup, avec une consommation qui, certes, est un peu sous pression, mais baisse peu en regard de la baisse de production, finalement, on a une progression des importations issues de pays tiers qui progressent à nouveau. Alors, sur le graphique de gauche, vous avez les importations européennes issues de pays tiers, avec un gros pack grisé qui est un peu nouveau, mais qui est, puisqu'on s'intéresse ici à l'Union européenne à 27, et que dans les autres pays, il y a le Royaume-Uni qui un peu complique la lecture du graphique. Mais au-delà de ça, on voit qu'après le creux de 2020-2021, on a une tendance en 2022 au retour des importations issues de pays tiers, et notamment de pays du Mercosur, qu'on parle de Brésil, d'Argentine ou d'Uruguay, mais aussi des États-Unis et du Canada. Et si vous regardez le petit graphique en forme d'histogramme à droite de la diapositive, cette progression, hormis le Royaume-Uni, mais pour les mêmes raisons qu'a évoqué Caroline ce matin avec les Pays-Bas, où on a un effet Brexit qui est un peu compliqué avec du dédouanement en France. Globalement, sur les pays tiers, on a une hausse des importations, notamment issues du Mercosur. On est à plus 15% depuis le début de l'année depuis le Brésil, à plus 7% sur l'Argentine et à plus 3% sur l'Uruguay, mais aussi une hausse depuis les États-Unis. Parce qu'on a des disponibilités plus limitées au sein de l'Union européenne et au sein du Royaume-Uni. Et cet accès de la viande bovine d'importation, elle se fait via des contingents existants, des contingents multilatéraux, qu'on parle de contingents Hilton, donc un contingent où le droit de douane appliqué aux importations est un peu inférieur au droit de douane normal qui s'applique à toutes les viandes. Et puis, des importations aussi au sein du contingent issu du panel hormones, qui est une vieille clause miroir dont on parlera tout à l'heure, qui est un peu l'ancêtre des clauses miroirs dont on discute actuellement aujourd'hui. Et puis, d'ores et déjà, parce que les viandes et certaines viandes sont compétitives, des importations qui se font à droit de douane plein. Le droit de douane plein, c'est un droit qui s'applique à l'importation, donc une taxe qui représente grosso modo à la louche. Ça dépend du type de produit, mais à peu 13% de la valeur du produit, plus 3 euros du kilo. Et malgré ça, malgré cette taxe qui finalement représente beaucoup par rapport au prix d'achat, on est d'ores et déjà capable de faire des importations soumises à droit de douane plein. Donc la Commission, effectivement, elle est engagée dans tout un tas d'accords de libre-échange qui sont issus... Hop là, qui sont issus du développement d'accords bilatéraux en lien avec le blocage de l'OMC. Jusqu'à la fin des années 90, début des années 2000, finalement, les négociations, elles se faisaient dans un cadre multilatéral où on faisait des concessions globales pour l'ensemble des marchés mondiaux. Et depuis le blocage de l'OMC avec un cycle de Doha qui ne s'est jamais conclu, et parce que l'Union européenne recherche des relais de croissance et puis cherche aussi à vendre certains de ses produits ou de ses services, qu'on parle d'automobiles, de produits pharmaceutiques ou de services, finalement, elle tente d'ouvrir des marchés et donc elle multiplie les accords bilatéraux. On a parlé il y a quelques années du CETA avec le Canada. On a eu le même type de négociation avec les États-Unis. On parlait de TAFTA, même si elles ne se sont jamais conclues. Et puis aujourd'hui, on parle de Mercosur, on parle d'Australie, on parle de Nouvelle-Zélande et peut-être demain de l'Inde. En tout cas, voilà, on a tout un tas d'accords qui se multiplient, certains étant déjà effectifs, par exemple avec le Canada, d'autres étant bientôt effectifs, comme avec la Nouvelle-Zélande, mais j'y reviendrai, et d'autres toujours en cours de négociation, comme avec l'Australie et l'Inde.
Ces accords de libre-échange bilatéraux, ils ne sont pas l'apanage de l'Union européenne. Vous avez deux graphiques ici, celui à gauche qui vous montre le nombre d'accords bilatéraux régionaux qui sont notifiés par les signataires à l'OMC, qu'on parle de biens en bleu ou de services en rouge. Et on voit qu'année après année, on a une envolée de ces accords qui s'appliquent, puisque aujourd'hui, on est à plus de 360 accords régionaux qui sont effectifs à travers le globe. Alors il y a un petit artefact que vous voyez en 2020 avec une barre qui est très très élevée. C'est lié à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne qui, jusque-là, appliquait les accords de l'Union européenne, puisque c'est l'Union européenne qui négocie pour le compte de ses États membres les accords de libre-échange, et qu'à sa sortie, pour continuer à commercer avec tous ses partenaires, le Royaume-Uni a dupliqué les accords existants de l'Union européenne et aujourd'hui renégocie de nouveaux accords avec des grosses concessions sur le secteur agricole et notamment sur la viande bovine vis-à-vis de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande et de tous les États du Commonwealth qui inquiètent notamment les exportateurs de viande bovine irlandaise. Et puis, pour vous symboliser le fait qu'il n'y a pas que l'Union européenne qui a recours aux accords de libre-échange, vous avez une carte qui vous montre l'application d'accords régionaux, qu'on parle de biens ou de services, dans le monde. Et on voit qu'avec l'Union européenne, on a d'autres pays ou d'autres zones qui sont très utilisatrices de ces accords, qu'on parle d'Amérique du Nord, qu'on parle de Chine ou des pays de l'Océanie, notamment de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Alors quand on parle d'accord de libre-échange, on parle souvent de défensif et d'offensif, mais ça n'a rien à voir avec le foot ou le rugby. Simplement, le but principal d'un accord de libre-échange, alors il y a peut-être des gens autour dans l'Assemblée qui connaissent très bien le sujet, mais on ne sait pas forcément de quoi on parle. Et le but principal d'un accord de libre-échange, c'est que vous avez 99 chapitres de lignes tarifaires où il y a 12-13 000 lignes tarifaires. Donc pour chaque ligne tarifaire, vous avez un type de produit. Ça peut être des carcasses désossées, ça peut être réfrigéré, ça peut être des voitures, ça peut être des produits pharmaceutiques. Et le but, pour chacune de ces lignes, il y a des droits de douane. Et le but, c'est de supprimer ces droits de douane. Et pour qu'on ait un accord de libre-échange, il faut au moins 90% de ces lignes, elles soient complètement libéralisées. Donc qu'à terme, quand il y a un accord, au moins 90% des lignes tarifaires sont libéralisées. Mais malgré tout, dans des pays, on a des intérêts offensifs et des intérêts défensifs, dans le sens où je suis très très bon dans la production d'aspirine, je la produis à pas cher, donc j'ai intérêt à faire baisser mes droits de douane pour en exporter le plus possible, et donc c'est ce que je vais chercher à obtenir de mon partenaire, on parle d'intérêts offensifs, et à contrario, j'ai une production pour laquelle j'ai des coûts de production très élevés, j'ai envie de protéger ma production locale, c'est un intérêt défensif, et donc là le but c'est, si possible, qu'on ne touche pas à cette production. Donc, soit de garder les droits de douane. Dans ce cas-là, on parle d'exclusion, mais c'est très rare. Il y a quelques secteurs qui peuvent être exclus des accords, mais en Europe, on le fait assez peu. Ou alors, c'est le fait de dire on ne baisse pas les droits de douane d'un point de vue général, mais en compensation, j'ouvre mon marché à un volume réduit avec un droit de douane inférieur à celui qui s'applique ou un droit de douane nul. Et c'est ce qu'on appelle les fameux contingents. Quand on parle de 99 000 tonnes équivalent carcasse avec le Mercosur, c'est clairement ça. Et dans les négociations européennes, le secteur de la viande bovine est très souvent, si ce n'est quasiment exclusivement, un intérêt défensif qui est très prisé par les gens avec qui on négocie et qui, eux, du coup, cherchent à obtenir le maximum de concessions et le maximum de contingents. Mais globalement, on est rarement offensif, si ce n'est sur certains marchés importateurs nets ou en devenir, comme en Asie du Sud-Est, par exemple, où on a négocié des ouvertures de volume. C'est le cas avec le Japon, c'est le cas avec la Corée du Sud, mais sur des marchés qui s'ouvrent aussi à d'autres exportateurs, comme l'Australie, et sur lesquels on est soumis aussi, également à rude concurrence. Donc voilà, je voulais simplement vous rappeler quelques règles avant d'aller voir ce qu'il en était vis-à-vis des négociations actuelles. Alors déjà, il y a des accords de libre-échange bilatéraux qui s'appliquent depuis quelques années. C'est le cas de l'accord avec le CETA, pour lequel on avait beaucoup d'inquiétudes au moment de la signature, qui a eu lieu déjà il y a maintenant plus de 5 ans. Ça devait être en 2016-2017. Et cet accord, du coup, aujourd'hui, s'applique à plein.
parce que le contingent qui a été négocié de 50 000 tonnes a mis un temps progressif, a mis 5 ans pour être appliqué pleinement. Et aujourd'hui, on a un contingent à droit nul global de 70 000 tonnes qui est ouvert à plein aux exportations canadiennes. Donc 50 000 tonnes issues du CETA, plus le contingent Hilton historique qui représente à peu près 15 000 tonnes, où le droit de douane qui était à 20% est passé à zéro, et puis un bout du contingent panel hormone. Donc on arrive à pas tout à fait 68 000 tonnes. Et aujourd'hui, si on regarde les importations européennes depuis le Canada, hein, c'est le graphique que vous avez en rouge en haut, on s'aperçoit que finalement, bon an mal an, on est aux alentours de 2 000 tonnes importées, alors qu'on a aujourd'hui un contingent en 2022 qui était de 68 000 tonnes. Donc peu d'effet du CETA sur les flux. Pourquoi ? Tout d'abord parce qu'il y a toujours des barrières techniques à l'œuvre qui limitent les flux. C'est le cas notamment des traitements des carcasses, puisque bon, je ne reviens pas sur l'histoire du Canada, mais nous on est sur du préventif dans les abattoirs. Les animaux sales ne rentrent pas dans la chaîne d'abattage. Au Canada, ou comme aux États-Unis, on est sur du curatif. On peut rentrer sale, mais on a des traitements. Alors on autorise certains types de traitements comme à l'acide lactique, mais on interdit d'autres traitements et qui sont l'apanage des abatteurs canadiens, qui sont les traitements à l'acide peroxyacétique pour nettoyer les carcasses. Et aujourd'hui, ce point précis est un frein à la production canadienne et en tout cas aux exportations canadiennes à destination du marché européen. On a aussi le fait que la très grande majorité de la production est toujours issue d'animaux traités aux hormones de croissance. Et donc, je vous parlais tout à l'heure de vieilles clauses miroirs sur les hormones. On interdit l'importation de ce type de viande. Et donc ça aussi, c'est un facteur limitant, sachant qu'il y a quasiment 90% des abattages canadiens qui sont opérés par Cargill des États-Unis et JBS le brésilien, et que ces deux entreprises n'ont clairement pas l'ambition pour l'instant de mettre des filières sans hormones en place, d'où les importations limitées. Et puis le marché canadien est aussi tourné actuellement vers d'autres destinations, notamment les États-Unis pour des questions historiques, mais aussi vers d'autres destinations jugées plus facilement atteignables, notamment en Asie du Sud-Est. A contrario, et c'est le graphique en bas, hein, et ce qu'on n'avait pas anticipé, c'est une hausse des exportations européennes à destination du Canada, parce que les lignes tarifaires, je vous parlais de lignes tarifaires tout à l'heure, de la viande bovine, elles sont confondues avec celles du veau. Et notamment dans l'Ouest canadien, en Ontario et surtout au Québec, on produit et on consomme du veau. Et pour le coup, comme la viande était un intérêt offensif côté canadien, il n'y a plus de droits de douane. Et du coup, la viande, notamment la viande des Pays-Bas, rentre sur le marché canadien et, en étant très compétitive. Alors on est sur des flux d'un millier de tonnes, ce qui reste globalement très limité. Deuxième accord de libre-échange qui va bientôt s'appliquer, c'est la Nouvelle-Zélande. Hein. On a un processus de ratification qui est quasiment terminé. En Europe, il est terminé depuis lundi dernier avec la validation définitive par le Conseil de l'accord qui avait déjà été validé par le Parlement la semaine dernière. Il reste juste, côté néo-zélandais, à terminer cette procédure de ratification. Et cet accord s'appliquera à partir probablement de début 2024. Sachant que dans le tableau, hein, ce qui nous intéresse en haut à droite, c'est la dernière colonne, c'est que le compromis final, c'est un nouveau contingent qui est ouvert, qui va faire 10 000 tonnes. En plus, on aura un peu plus de 1 000 tonnes pour lequel on applique actuellement un droit de douane de 20% qui va passer à 7,5%. Autrement dit, pas grand-chose par rapport au droit de douane global existant. À horizon 2031, on aura potentiellement 10 000 tonnes de plus accessibles à droit de douane réduit originaire de Nouvelle-Zélande. La seule nouveauté, c'est que cette ouverture de contingent, ça n'a jamais été le cas avant pour des contingents bilatéraux. Elle est conditionnée au respect de la finition à l'herbe des bovins. Alors là, j'ai écrit conditionnalité Hilton. C'est vrai que pour accéder au contingent Hilton qui existe actuellement, il faut finir les animaux à l'herbe. Mais cette conditionnalité, elle était vraie que pour les pays du Mercosur. La Nouvelle-Zélande et l'Australie surtout, qui ont actuellement accès au Hilton, ne sont pas conditionnés à la finition à l'herbe. Et donc, pour la Nouvelle-Zélande, ce n'est pas un vrai problème parce que tous les animaux sont finis à l'herbe. Mais si on arrive à imposer cette clause à l'Australie, pour le coup, les animaux sont finis en feedlot. Et là, c'est un peu plus problématique. Pour l'instant, côté Australie, il n'y a pas d'avancée dans le sens où l'accord n'a pas été conclu.
Les négociations se sont entamées en 2018 avec une petite pause en 2021 liée à l'affaire des sous-marins où l'Australie finalement a pas acheté des sous-marins français mais a préféré se retourner vers les États-Unis. Mais malgré tout, la volonté de libre-échange a été plus forte et les négociations ont repris. On avait parlé de conclusion il y a quelques semaines en marge du G7 à Osaka. Ça a échoué, notamment pour les questions d'accès au marché agricole côté européen, hein, puisque les Australiens voulaient beaucoup plus. Actuellement, sur la table, malgré tout, il y a un contingent global de 24 000 tonnes qui serait proposé à l'Australie avec 20 000 nouvelles tonnes. Il y a 4 000 tonnes qui existent déjà, qui sont du Hilton. Et puis, il y aurait donc 16 000 nouvelles tonnes de viande bovine réfrigérée avec cette fameuse conditionnalité nourrie à l'herbe qui, là, pose aussi un problème aux exportateurs et au gouvernement australien, sachant que les animaux sont finis en feedlot, et puis 4 000 tonnes de viande congelée à droite de douane nulle. Mais avec l'échec de la conclusion à Osaka, maintenant on estime qu'on n'aura pas de conclusion, sauf surprise, avant 2025. Deux autres accords qui vont là aussi ouvrir potentiellement à terme le marché européen, c'est la modernisation d'accords qui existent avec le Chili et le Mexique. Côté Chili, ce que l'Union européenne a proposé, c'est finalement de remplacer l'ancien contingent par un nouveau contingent de 2000 tonnes, sachant par contre que l'ancien contingent, qui actuellement représente 2900 tonnes, grandissait de façon illimitée de 100 tonnes par mois. Et cette clause, elle sera suspendue. Et du coup, a priori, on devrait avoir un contingent de 4900 ou 5000 tonnes suivant l'année d'entrée en vigueur, mais qui serait ouverte de manière définitive. À côté, on a modernisation de l'accord avec le Mexique, et là, on proposerait deux contingents supplémentaires, sachant que l'ancien accord n'avait pas de contingent en viande bovine, donc deux fois 10 000 tonnes, un de viande bovine et l'autre d'abat, mais dans lequel on retrouverait l'onglet et la hampe, ce qui, grosso modo, pour aller plus vite, hein, représenterait un contingent de 20 000 tonnes ouvert à droit de douane réduit. La seule nouveauté, et ce pourquoi je voulais vous parler de ces deux accords, c'est le mode de ratification. On a des accords qui, normalement, comme le CETA, étaient des accords mixtes, c'est-à-dire qu'ils nécessitaient la ratification non seulement des institutions européennes, donc le Conseil et le Parlement, mais également la ratification de chacun des parlements nationaux. Le fait est, c'est que le CETA, aujourd'hui, il s'applique, et il s'applique pleinement sur sa partie commerciale, mais il n'est toujours pas ratifié, et il n'a toujours pas été voté, notamment par la Chambre des représentants en France. Mais malgré tout, il s'applique. Et pour éviter ces problèmes, eh bien finalement, la Commission propose un mode innovant en isolant la partie commerciale pour que la ratification soit simplifiée. Ce qui a une différence majeure côté ratification européenne, c'est qu'un accord mixte, il est ratifié à l'unanimité des États membres au Conseil, alors que là, il faut simplement une majorité qualifiée. Donc avec ce petit subterfuge, finalement, la Commission européenne, elle simplifie le processus de ratification de l'accord. Et donc ça va être fait. Et a priori, pour le Chili, on parle d'un lancement du processus de ratification sous cette forme courant du mois de décembre, donc avant la fin de la présidence espagnole. Il y a un peu plus de complexité côté Mexique, avec un débat sur les matières premières critiques, et notamment le lithium, qui repousse un peu la date du lancement de la procédure de ratification. Rapidement, puisque je parle beaucoup, je voulais vous parler aussi d'un projet un peu plus lointain, hein, qui est l'accord de libre-échange avec l'Inde, pour lequel on négocie depuis 2007, mais avec des négociations qui ont été relancées en 2022, et dans lequel il y a un accord commercial où l'Inde fait de l'ouverture du marché européen un intérêt offensif. Alors bien évidemment, côté européen, on la classe en produit sensible, mais il y a déjà des débats autour d'éventuelles ouvertures de contingents. L'ambition, c'était de conclure avant la fin de la mandature actuelle du Parlement européen. A priori, ce ne sera pas le cas, parce qu'il n'y a toujours pas eu d'échange d'offres sur les produits sensibles. Autre point rassurant, c'est que pour le moment, l'Inde n'a pas accès au marché européen, notamment parce qu'il n'y a pas d'agrément sanitaire côté abattoir indien. Mais malgré tout, on a une filière indienne qui ne cesse de progresser et qui s'ouvre des marchés. Et simplement pour vous donner un repère, hein, l'Inde, c'est le premier cheptel mondial de bovinés. Et c'est le quatrième exportateur mondial de viande bovine, avec à peu près 1 500 000 tonnes exportées par an. Ça a été à certains moments le premier exportateur mondial. Donc une vraie puissance de frappe de la filière indienne, et pour le coup avec un niveau de compétitivité en termes de prix défiant toute concurrence.
Par exemple, la viande, elle est bien plus compétitive que la viande brésilienne, qui est déjà pas mal compétitive. Et enfin, le Mercosur, simplement, on a un accord politique qui date maintenant d'il y a 4 ans, qui propose, une fois l'accord ratifié, une ouverture d'un contingent de 99 000 tonnes équivalent carcasse, dont la majorité serait sous forme réfrigérée, et puis de passer le contingent Hilton à droit de douane réduit, et donc d'abandonner les 20%, ce qui représente actuellement un contingent de 60 000 tonnes. Donc cette ratification, pour le moment, elle n'a pas eu lieu parce qu'il y a eu beaucoup de débats, notamment au moment de l'arrivée de l'administration Bolsonaro au Brésil, et les effets de sa gestion de la forêt. Vous avez à gauche, uniquement pour l'Amazonie, les évolutions de déforestation. Et on voit clairement, entre 2019 et 2022, l'explosion de cette déforestation en lien avec une politique beaucoup plus laxiste du gouvernement Bolsonaro. Alors depuis, Lula a été réélu, la déforestation est à la baisse, mais ça reste toujours un débat. La France attend toujours la mise en place de mesures supplémentaires à l'accord en termes de garanties environnementales. On n'a toujours pas de documents définitifs. C'est toujours en discussion. Il y a eu deux versions qui ont été présentées, mais qui sont très light et qui sont peu contraignantes. Mais malgré tout, on entend parler actuellement d'une potentielle ratification, en tout cas début de ratification, et qui commence par la signature de l'accord sous 15 jours, simplement parce qu'actuellement, on a une fenêtre de tir avec la présidence espagnole qui est pro-conclusion de l'accord et qui est soutenue notamment par l'Italie, par l'Allemagne et par les pays scandinaves. Et puis de l'autre côté, on a une présidence du Mercosur qui est tenue par Lula et qui se termine le 7 décembre et qui sera remplacée par le Paraguay. Et du coup, au vu de ce calendrier et au vu de la velléité de la commission à conclure, et notamment de la présidente de la commission, il y a des pourparlers pour conclure cet accord avant l'effectivité de la nouvelle présidence du Mercosur et puis aussi l'arrivée au pouvoir du nouveau président de l'Argentine, Javier Milei, qui aura lieu le 10 décembre. Donc il y a une fenêtre de tir. En tout cas, la Commission fait tout pour. Et côté Mercosur, on est plutôt proactif pour une conclusion en marge de la COP28 d'ici le 6 décembre. Pourquoi tous ces pays s'intéressent finalement au marché européen? C'est pas tant sur les volumes. Les volumes sur ce graphique des importations de viande bovine désossée, elles sont représentées par les histogrammes gris. Et on n'est ni la Chine, ni même les États-Unis ou le Japon en termes de volume. On est tout petit. Mais si vous regardez par contre les prix unitaires, c'est les points rouges de nos importations. Clairement, on est très solvable. Et l'intérêt des exportateurs à exporter vers l'Union européenne et d'obtenir des concessions, c'est d'arriver sur un marché qui est solvable, notamment parce que ces importations de viande désossée, c'est essentiellement de la loyaux et que c'est là qui se valorise le mieux sur le marché européen. Et donc l'intérêt, c'est d'obtenir des baisses de droits de douane pour avoir une plus grande place sur ce marché. Mais ce qui peut avoir à terme un peu certaines contraintes, notamment parce que la Commission met en avant finalement, oui, j'ouvre 100 000 tonnes par-ci, 50 000 tonnes par-là, ça représente 0,5-0,8% de la consommation totale de viande bovine. Dans l'absolu, c'est vrai. Sauf que ce qu'elle omet de dire, c'est que la viande bovine, ce n'est pas une commodité comme une autre, et que le segment visé par ces ouvertures de marché, c'est le segment de la loyaux. Et la loyaux, sur une carcasse, c'est moins de 20%, c'est 18% de la carcasse, mais c'est quasiment plus du tiers de la valeur de la carcasse. Et à force d'empiler des concessions successives, finalement, on risque de mettre à mal notre marché, puisque si on cumule les concessions actuelles, les importations actuelles et les importations à venir, finalement, à terme, on risque d'importer 1,3 fois la production moyenne d'aloyaux issus du cheptel de race à viande, à des niveaux de prix qui sont très compétitifs et qui n'ont rien à voir avec le prix intérieur et des potentielles déstabilisations de marché assez importantes. Alors malgré toutes ces ouvertures, il y a quelques avancées, mais qui créent du remous, dans le sens où on ouvre le marché, mais on essaie de mettre en place des clauses miroirs. Alors il y en a une vieille qu'on connaît tous, qui est le panel hormone, enfin qui est la, je mélange les
les principes, mais qui est l'interdiction des hormones, mais qui nous a valu à l'OMC un panel qu'on a perdu parce qu'on a été jugé, cette barrière non tarifaire, elle a été jugée non scientifiquement valable, et on a ouvert en concession un contingent de 50 000 tonnes. On a malgré tout d'autres mesures qui sont en cours de mise en place, mais qui restent pour l'instant assez limitées dans leur portée. Vous avez entendu parler de déforestation importée qui devrait s'appliquer fin 2024, mais qui est une avancée, mais qui reste limitée puisqu'on ne s'intéresse pas à la déforestation avant décembre 2020. Et vous avez vu dans le graphique côté Amazonie, par exemple, que le gros de la déforestation s'est fait à cette période. Et puis, on ne s'intéresse qu'à certaines forêts et pas à d'autres types de terres boisées qui sont aujourd'hui des gros spots de déforestation et de hausse de production, qu'on parle du Chaco au Paraguay et en Argentine, ou qu'on parle par exemple du Cerrado au Brésil. Et puis surtout, les contrôles qui seront faits sous ce qu'on appelle, d'un point de vue juridique, de la diligence raisonnée, c'est-à-dire qu'on reporte les contrôles aux opérateurs, et finalement c'est JBS, c'est Marfrig eux-mêmes qui vont contrôler le respect de la non-déforestation. Et on sait déjà qu'ils sont incapables de le faire, puisqu'ils sont déjà engagés dans ce type de démarche, et que année après année, ils repoussent la mise en place parce qu'ils sont incapables de le faire. Ils ont déjà du mal vis-à-vis de leurs fournisseurs directs, mais c'est comme chez nous, il y a des naisseurs, il y a des repousseurs, il y a des engraisseurs, et quand l'animal a fait 3 ou 4 élevages, et bien là, on perd sa trace, notamment parce qu'il n'y a pas de traçabilité individuelle. Et puis, il y a une autre clause miroir sur les antibiotiques activateurs de croissance, qui, pour le coup, est toujours dans le flou, puisqu'on a eu un acte délégué de la Commission européenne qui propose la mise en œuvre d'une mesure, mais qui renvoie à d'autres règlements, et pour lequel, pour l'instant, il n'y a pas une liste claire d'antibiotiques activateurs de croissance interdites. Et donc, pour l'instant, cette mesure, elle est repoussée, son contenu reste incertain. Donc, on a, si on veut mettre en place des clauses miroirs efficaces, et que les imports jouent un peu, en tout cas, soient moins compétitifs et se rapprochent des réglementations européennes. Il y a encore pas mal de boulot dans la mise en œuvre de ces clauses miroirs. Donc voilà, j'ai été un peu bavard, mais voilà ce que je voulais vous présenter ce matin. Merci à tous.